Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue encore ce soir pour cet cinquième atelier tous ensemble. Donc, encore un nouveau site qu'on va auditer ce soir. Merci d'être là avec nous, merci à tous ceux et toutes celles qui ont été là toute la semaine et qu'on retrouve fidèlement chaque jour. On est aussi reconnaissant pour les mails que vous nous envoyez, donc ça c'est vraiment chouette, merci beaucoup. Je voulais donner un peu des consignes d'usage. Vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui sont là depuis lundi, mais voilà, pensez à couper tout ce qui est source de distraction, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit votre téléphone portable. Prévoyez de quoi prendre des notes, cahier, notepad ou ce que vous le souhaitez. Dites-nous si tout est OK au niveau du son aussi, si vous avez bien le son, l'image. Si et 5 sur 5. Donc pour ça, vous avez un chat soit à droite de la vidéo lorsque vous êtes sur ordinateur. Et puis sinon, c'est sous la vidéo si vous êtes sur mobile, il y a un chat. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Il vous servira aussi d'ailleurs pour poser toutes vos questions. Donc très important de l'utiliser. 5 sur 5. Merci à tous. Merci Noël. Merci Maurice. Alors, Noël et moi, on a la particularité d'habiter dans la même ville. Voilà. Bon. On va pouvoir démarrer cette soirée. J'ai laissé la main à Daniel. Merci, Daniel, à toi d'être là. Donc, la thématique de la semaine, c'est le référencement. Donc, on va voir un aspect aujourd'hui, comme quoi il faut savoir rester simple. Et des fois, c'est beaucoup plus payant que d'essayer de faire des beaux feux d'artifice. Donc, on va revenir. Enfin, Daniel va revenir là-dessus en détail. Et puis, je vous ai promis par mail la petite histoire de Google. On en avait parlé avant-hier, je crois. Mais voilà, Daniel a étudié toute la question. Il est même passé à la télévision pour en parler. Donc, il y a des choses à dire par rapport à Google, Bill Gates, Yahoo, enfin, tous les petits secrets. C'est Daniel qui les détient. Je te laisse la parole, merci à toi, et puis bah c'est parti, on démarre. Bonsoir, donc je me présente Daniel Ishbia, je suis journaliste dans le high-tech et aussi la musique depuis 1986, et ça m'a permis de rencontrer effectivement énormément de grands personnages de ce domaine, comme Bill Gates ou Steve Jobs, et bon, que l'on rencontrait de façon tout à fait naturelle. Et je suis auteur, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, d'un livre qui s'appelle Comment être numéro un sur Google pour les nuls. Il aura fallu que la semaine passe, que j'arrive un peu à le positionner de façon. En fait, je crois que c'est symétrique. Voilà. Ah, c'est bien, c'est impeccable. Bravo, quelle maîtrise. Bon. Eh bien, comment est-ce que j'en suis venu à développer cette maîtrise du référencement naturel? C'est pour une raison très simple. Donc, je suis journaliste depuis 1986, mais j'ai aussi été rédacteur en chef de deux magazines, enfin trois, mais je ne vous montre pas tous les trois. Rédacteur en chef de ce magazine qui s'appelle Comment ça marche pendant 7 ans, 8 ans, de 2010 à 2017. J'étais aussi rédacteur en chef de ce magazine de musique, là on voit qui faisait des numéros spéciaux sur des artistes. Nous allons y revenir. Starfan. J'ai aussi été rédacteur en chef de VSD Jeux vidéo. Enfin bon. Donc, j'ai été journaliste dans le high-tech, le jeu vidéo, la robotique et la musique. Et j'ai sorti énormément de livres. Par exemple, je vous donne un exemple. Parce que bon, je vais devoir parler de mon activité, mais vous pouvez très facilement extrapoler à votre activité pour voir comment vous pouvez utiliser le référencement. J'ai un exemple de livre que j'ai sorti en 2004 chez un éditeur qui s'appelait Camion Blanc. C'était la biographie du groupe Téléphone. Et ça va vous donner un peu une idée de pourquoi j'ai fait certaines choses et pourquoi j'en suis venu au référencement. Voilà un livre qui est sorti donc en janvier 2004, qui a dû rester en librairie 2 ou 3 mois, et puis il s'en va. La vie d'un auteur, c'est ça. Vous bossez pendant 1 an. Là, j'avais fait les interviews des quatre, puis j'avais fait les interviews de leurs amis d'enfance. Enfin, donc j'ai bossé vraiment dur sur ce livre. Et puis, au bout de 3 mois, on ne le trouve plus en librairie. C'était la vie des écrivains jusqu'en 2012.
En 2012, Amazon, Google, Apple, la Fnac et puis d'autres ont commencé à mettre le paquet sur l'auto-édition. Donc, on a pu sortir des livres sur le Kindle, donc sur cet appareil, ou sur l'iPad, là, qui est là. On peut avoir le livre qui sortait sur l'iPad. Là, je fais la pub pour Apple et Amazon, là, hein, ce soir. Mais puis, on pouvait aussi les sortir en papier. Ça, c'est le livre sur téléphone que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai auto-édité. Et je peux vous dire que j'ai bien fait de l'auto-éditer parce que d'abord, j'en ai vendu énormément depuis 2012. Entre autres, vous savez qu'en 2016, téléphone s'est reformé. Ça a été un coup de bol incroyable pour moi. Téléphone est reparti sur la route. Et comment ça se passe? Quelqu'un, c'est bien parce que vous allez pouvoir l'appliquer à votre activité. Quelqu'un sort d'un concert de téléphone, il se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, Cendrillon, un autre monde, crache ton venin. » Il tape sur Internet, « Tiens, je m'achèterais bien une biographie de téléphone. » Et donc, mon intérêt, c'était qu'il trouve la mienne. Et vous allez voir que j'y suis parvenu. J'ai sorti énormément d'autres livres, comme ça, par exemple, le magazine que je vous avais montré sur Michael Jackson, je l'ai transformé en livre. Donc, j'en ai sorti un sur les Rolling Stones, pareil, qui a vraiment très, très bien marché. Chanson des Rolling Stones. Un sur Madonna. Je ne les montre pas tous ici, mais vous allez voir pourquoi, parce que ça va tout servir pour le référencement, tout ça. Et puis, la grosse surprise, le livre que je vends le plus, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre sur Elvis Presley. On avait sorti dans le magazine Starfan un numéro spécial Elvis Presley, et on s'est rendu compte, enfin, on a explosé les ventes, on ne comprenait pas pourquoi. J'ai découvert, et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on le découvre, ces choses-là, vous devez découvrir ça dans vos domaines. On découvre qu'il y a des niches totalement inattendues, parce que quand on a sorti le magazine sur Elvis Presley à l'époque, on avait sorti Michael Jackson juste avant, Michael Jackson était mort peu avant, on a vendu presque autant, sinon plus d'Elvis Presley que de Michael Jackson. J'ai découvert à ce moment-là que ces chanteurs faisaient l'objet de ce qu'on appelle un culte. Voilà. Donc, mon souci, c'était, j'ai sorti tous ces livres en auto-édition. Donc, Madonna, les Rolling Stones, tout ça, enfin bon. Et puis, Elvis Presley. Maintenant, il y a une centaine de livres, par exemple, sur Elvis Presley. Il y a une dizaine de livres sur téléphone. Mon intérêt, c'est qu'on trouve le mien. Et étant journaliste dans le high-tech, j'étais au fait du SEO. J'ai commencé à aller sur énormément de forums américains, pas toujours recommandables, mais qui parlaient du SEO, qui proposaient des techniques, qui proposaient parfois des petits logiciels. Mais je me suis formé au SEO pendant des années et je suis arrivé à des résultats tellement énorme que First m'a justement commandé ce livre « Comment être numéro 1 sur Google pour les nuls ». Parce que j'ai peut-être pas fait la meilleure biographie sur Elvis Presley, il y en a 100, donc je prétendrai pas que c'est la mieux, mais c'est celle qui se vend le plus, parce que, on va le voir tout de suite, là, je vais vous faire la démonstration, quand on tape certains mots-clés liés à ces chanteurs, ce sont mes pages qui arrivent. Pareil pour Bill Gates, où j'ai écrit une biographie, vous allez voir que j'arrive numéro 1 sur une requête très demandée. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer tout ça, parce que c'est bien beau que je vous dise tout ça, mais ce serait bien que je vous le prouve, donc je vais vous le prouver maintenant. Je vais vous montrer comment j'ai classé, est-ce que vous voyez bien, là j'ai affiché la page de Google, vous voyez bien la page? Il faut... Voilà, là, c'est bon. Tout va bien, d'accord, parfait. Hop là. OK. Bon, alors, donc je vous ai dit, j'ai un livre sur Madonna et j'aurais bien voulu que les gens me trouvent, mais vous allez dire comme moi que Madonna, c'est un mot-clé très concurrentiel. Bon, je ne prétends pas que j'ai classé ma page sur le mot-clé Madonna. De nos jours, il y a quelque chose qui s'appelle la longue traîne. Les internautes tapent des requêtes de plus en plus longues. En général, ils disent comment est-ce que je peux faire pour trouver, je sais pas, un panneau solaire pas cher dans mon coin, du miel bio, je sais pas. Ils tapent des questions. Et pour Madonna,
il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les chansons de Madonna. Donc, s'ils tapent les chansons de Madonna, chansons de Madonna par exemple, regardez, on a un premier site Chéri FM, ça c'est du gros. Wikipédia qui arrive en dessous. Wikipédia, généralement, ils sont pratiquement tout le temps premiers. Et puis, en dessous, c'est bizarre, ça change chaque jour. En dessous, ma page web arrive ici. Vous avez vu, c'est la quatrième page web affichée. Voilà, je vais cliquer dedans, on va regarder. Donc voilà, j'ai une page sur les 10 meilleures chansons de Madonna. Sur le côté, j'ai des liens d'achat qui restent là tout le temps. Donc, le principe du web, c'est ça. Il faut donner du contenu. Normalement, si vous avez fait un site web sur un domaine, vous êtes expert de ce domaine. Donc, il faut être prêt à donner. Là, je raconte l'histoire de 10 chansons de Madonna. Je raconte. Donc, pour moi, c'est facile parce que j'avais extrait le livre. À la fin, j'ai des liens d'achat. Donc, vous avez vu que je me classe. C'est la seule biographie de Madonna qu'on voit. Je peux vous montrer, il n'y en a pas d'autres sur la page. Donc, à partir d'une requête des internautes, je les emmène vers ma biographie. Et regardez dans les vidéos. Il y a 3 vidéos. La 3e vidéo, c'est la mienne. C'est une vidéo que j'ai placée sur YouTube parce que, comme je vous recommande dans la formation, je cible aussi bien Google que YouTube pour avoir deux axes d'attaque. Donc voilà. Donc c'est un exemple de comment j'ai utilisé le référencement pour obtenir des ventes sur mon livre. Je peux vous dire que ce livre auto-édité, je ne vais pas vous dire qu'il a été numéro 1, mais il s'est classé dans le top 50 des ventes à un moment. Top 50 des ventes. Je pense que le référencement m'a énormément aidé à cela. Je prends l'exemple d'Elvis Presley, qui est donc le livre de musique que je vends le plus depuis des années. Encore ce matin, je regardais là, donc je tape Elvis, histoire de Elvis Presley pour voir. Ou j'aurais pu taper Elvis Presley, histoire, enfin des mots-clés comme ça. Alors, regardez sur le côté, vous avez vu que, bien sûr, c'est Wikipédia qui arrive en premier, mais sur le côté, il y a marqué Elvis Presley, histoire, etc., légende, livre de Daniel Ishbia. Déjà, je suis tout seul, vous avez vu sur la partie droite de la page, donc ça attire bien l'attention. Ça, c'est une technique que j'utilise qui s'appelle le fil d'Ariane, pour laquelle je vais vous donner un livret séparé pour la formation, car c'était un peu, je veux dire, c'est un sujet qu'il vaut mieux expliquer sous forme de texte que de vidéo. C'est grosso modo, c'est du code. Soit vous le faites vous-même, soit vous le donnez à quelqu'un qui connaît bien le web, mais vous avez vu ce que ça fait déjà. J'arrive donc ici. Ensuite, donc, je ne suis pas numéro 1 ni numéro 2. Je ne suis pas numéro 3 ni numéro 4, mais je suis numéro 5. Numéro 5 sur un mot-clé comme Elvis Presley. Voilà, c'est ma page qui s'affiche. Pareil, j'ai les liens d'achat sur le côté. C'est une très longue page. Je mets beaucoup de contenu. Il faut, le gars qui est venu chercher une histoire d'Elvis Presley ou qui viendra chercher ce qui concerne votre activité, il faut lui en donner beaucoup. Donc voilà, je lui donne même des extraits d'audio, etc. À l'âge de 20 ans, le dénommé. Voilà. Des liens. Et puis à la fin, les liens d'achat. Donc vous avez vu, je suis donc numéro 5 sur l'histoire d'Elvis Presley. Et là encore, regardez les vidéos YouTube. La première vidéo qui s'affiche, c'est la mienne. Je pense que vous reconnaissez le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà donc deux exemples de comment j'utilise le référencement naturel. Et je peux vous dire que c'est vrai, je vends ce livre tout le temps. C'est assez hallucinant. Je ne sais pas si vous êtes fan d'Elvis. Moi, je ne savais pas à quel point il était populaire. Et voilà, c'est un bon exemple. Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, j'ai une biographie sur les Beatles. Pareil, c'est très. Je ne sais pas si on peut se classer sur les Beatles, c'est quasi impossible, mais j'arrive à me classer sur divers mots-clés comme meilleure chanson des Beatles. Il y a des gens qui cherchent ça. Tiens, je vais vous montrer ça vite fait. Meilleure chanson des Beatles. Je ne suis pas forcément très bien classé, mais
mais on me voit quelque part dans la page, mais c'est pas tant ça que je vais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, je suis là, je suis numéro 5, les 10 meilleures chansons des Beatles. Voilà, et puis bon, ça permet de faire la pub de mon bouquin. Pareil, les liens d'achat en bas, enfin bref. Mais surtout, regarde, ce que j'ai découvert, c'est que, parce que quand vous allez faire du référencement, vous allez découvrir que les internautes cherchent des choses. Et j'ai découvert, de façon vraiment par expérience, que les gens sont très intéressés par la chanson Imagine, l'histoire de la chanson Imagine, par exemple. Alors, je ne suis pas numéro 1, je ne suis pas numéro 2, numéro 3. Hier, j'étais numéro 3, mais là, je suis passé numéro 4. Bon, ça dépend des jours, ça peut bouger d'un jour à l'autre. Cette page, par exemple, a reçu, je n'ai pas compté, je ne sais pas si c'est des dizaines ou des centaines de milliers de visites. Et pareil, je mets beaucoup de contenu, et puis à la fin, on a toujours les liens d'achat. Donc l'idée, elle est là. Vous allez dire, je donne beaucoup de choses à l'internaute, j'ai aucune chance, j'ai pas de garantie qu'il va acheter. Oui, mais s'il vient voir ma page, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans votre boutique. Il est peut-être qu'il l'achètera pas, mais au moins le fait qu'il est rentré dans votre boutique, il est rentré dans votre boutique. Peut-être qu'une autre fois il achètera, mais bon, je vends très correctement. J'ai regardé en fait ce mois-ci, j'ai encore vendu des biographies des Beatles. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui se vend très correctement. Et je vais vous montrer un dernier exemple me concernant, parce qu'après, je vais vous montrer des exemples faits pour d'autres gens. Bill Gates, j'ai fait une biographie et j'ai découvert au fil du temps que beaucoup de gens étaient intéressés à savoir, en fait, ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est de savoir comment il a fait pour devenir riche. Par exemple, ça, c'est une requête qu'on a souvent quand on va sur Google, et il complète en mettant cela. Et là, regardez. Et j'ai fait une page sur ce point-là et j'arrive numéro 1. Pareil, avec les liens d'achat sur le côté, les liens d'achat en bas. Donc, vous avez l'esprit du référencement. Les liens d'achat sont ici. Donc, voilà. Pareil, ce livre, j'en vends tout le temps. Vraiment, je ne sais pas dans quel business vous êtes, mais bon, dans ce domaine où je suis des biographies, je vends pratiquement tout le temps de certaines d'entre elles. Et pour moi, c'est très bien de pouvoir les auto-éditer parce que pareil, ça, c'est un livre qui était sorti chez Pocket avant, chez Pocket, l'éditeur, dont j'ai récupéré les droits afin de le ressortir tout seul en auto-édition. Donc, je vais maintenant vous montrer quelques exemples parce que j'ai plusieurs boîtes qui m'ont fait appel afin que je puisse référencer leur propre site. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Formasquare qui m'a demandé si je pourrais... Ils ont une salle de formation à République, une salle de formation à La Défense, une salle de formation à Paris 18e. Donc, à chaque fois, il fallait classer la requête location. Quelqu'un cherche à louer une salle de formation à La République, par exemple. C'est un quartier de Paris. Location, salle de formation République. Donc, au début, on a les résultats de Google Maps. Mais le premier résultat qui apparaît, regardez, c'est le mien. C'est le site, je l'aurais classé. Et pour le classer, j'ai rédigé beaucoup de contenu. Vous allez voir, il est en dessous. On aura fait une vidéo, YouTube d'ailleurs. On aura fait une vidéo. Comme c'est un site, Formasquare Republic, qui est lié à la musique, on raconte beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous sachiez faire, c'est avoir beaucoup de contenu. Il faut vraiment écrire beaucoup pour les pages, soit vous-même, soit quelqu'un dans votre boîte qui peut écrire. Autre exemple, personne qui fait des baby-foot de collection extraordinaire est venu me voir donc pour que je puisse placer baby-foot de collection. Et là, il arrive numéro 1. Je l'ai classé numéro 1, alors si ça peut être, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais en quelques semaines, il est arrivé numéro 1. C'est-à-dire que, genre en septembre, le site n'existait pas, fin octobre, non seulement il existait, et il était numéro 1. Pour vous dire qu'on peut y arriver. Ce gars-là fait des baby-foot extraordinaires. Autre exemple, une boîte qui m'a fait appel qui s'appelle Intelligent Business, qui forme par exemple des équipes de vente et ils voulaient que je classe comment former une équipe de vente. Quand, disons, ce que je leur ai vendu comme idée, c'est que s'ils veulent être numéro 1, il faut que ce soit sur des requêtes que cherchent les gens intéressés par leur service.
Donc voilà, comment former une équipe de vente. Ils se sont renommés, ils ne s'appellent plus Intelligent Business, ils ont changé de nom, mais le site, le classement que j'ai obtenu pour eux, qui était numéro 1 à l'époque, est toujours numéro 3 avec le changement de nom. Et pareil, beaucoup de contenu. Malheureusement, cette boîte a changé de nom et a refait son site, mais bon, voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu changer de nom. Vous avez vu la vidéo qui est en haut, donc c'est une vidéo que je leur ai faite à l'époque. Et quand on va dans les vidéos sur Google, avant cette vidéo arrivait en haut. Maintenant, elle n'arrive plus en haut, malheureusement, depuis qu'ils ont changé de nom. Mais quand on va sur vidéo dans Google, ils arrivent numéro 1. Comment former une équipe de vente? Voilà, je leur ai classé énormément de mots-clés comme ça. Tout ce qui est formation, comment gérer une équipe commerciale, des choses comme ça, toutes des formations qu'ils donnent. Et donc, l'idée, c'est qu'ils expliquent comment former une équipe de vente dans le texte, mais à la fin, ils conseillent quand même aux gens d'acheter la formation. Je ne sais pas si ça se voit là en bas. Normalement, à la fin. Alors, je ne sais pas s'ils ont gardé ce que... Bon, ils ont pas forcément gardé ce que je leur avais fait, mais à la fin, moi, j'incitais les gens à acheter leur formation. Bon. Il faudra qu'éventuellement, je les rappelle et qu'on voit un petit peu. Alors, je vais vous montrer un dernier point parce que là, forcément, je bosse pour une boîte qui s'appelle pierrepapier.fr, qui est une boîte qui explique comment faire des placements financiers. Donc, dans la pierre, etc. C'est pour ça que ça s'appelle Pierre Papier. Et vous connaissez peut-être le Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel est un éditorialiste qui intervient tous les jours sur BFM Business. Et donc, cette boîte-là, Pierre Papier, a fait une interview de Jean-Marc Daniel. Et moi-même, j'y croyais pas. J'ai découvert ça il y a 3 jours. Je l'aurais classé numéro 1, mais je pensais pas, même moi, je pensais pas arriver si haut. C'est vous dire que les techniques que j'utilise sont vraiment très costauds. Donc, cette personne, Jean-Marc Daniel, qu'on voit tous les matins sur BFM Business, la vidéo qu'il a maintenant, qui est numéro 1, c'est une vidéo qui a eu quoi, 6700 vues et qui est faite par une boîte de... Nous avons décidé de demander son avis à l'économiste Jean-Marc Daniel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à ESCP Europe. Et vous regardez là sur la page, quand on tape Jean-Marc Daniel, on voit qu'il est dans Wikipédia, il est sur France Culture. Juste après, il y a des vidéos YouTube qui sont des vidéos où il passe sur... là, on voit France Inter, là, on voit BFM Business. Donc, voilà, bfmtv.com. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très connu. Voilà. Donc là, c'était pour faire la démonstration de la formation de ce qu'on vous propose, là, en fait, ce savoir-faire. Et juste avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, avant qu'on aille plus loin là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Alors, est-ce qu'on a des questions? Hop, tac, 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 tac. Oui, bah forcément, ceux qui sont là tous les soirs, la présentation et l'introduction, c'est forcément la même, puisqu'on parle du même sujet, c'est la même personne qui présente. Donc, oui, c'est vrai. Bon. Mais sinon, non, on n'a pas de questions pour le moment, donc on peut attaquer sur l'audit du site du jour avec les conseils à prendre. Et à... Oui. Désolé pour ceux qui auraient été ça tous les soirs, ils doivent connaître ma prestation par cœur. Mais bon, il y a des gens, il paraît, qui regardent Blade Runner toutes les semaines. Donc. Pour ceux qui ont été là toute la semaine, donc il y a encore un atelier dimanche soir. Donc, ce sera un peu différent. Il y aura une introduction un peu moins longue et on fera un peu plus d'audit. Donc, voilà, ça veut dire que vous avez encore plus de chances dimanche d'avoir votre site audité que ces soirs-là, parce qu'on auditera sûrement, on n'a pas dessiné encore, mais soit 3, soit 4 sites, je pense que ce sera plutôt 3, mais voilà. Donc, et puis, on a des annonces supplémentaires à vous faire pour dimanche soir aussi, donc voilà. Il y a juste Jean qui nous demande, enfin qui te demande si tu recommandes toujours une seule phrase clé. Pas forcément. Non, je recommande pas une seule phrase clé parce que moi, en référencement, la chose qui est très étrange, c'est que parfois je tape quelque chose et je découvre que j'ai une page qui est classée et que je ne m'y attendais pas parce que, tiens, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple qui est assez étonnant. J'ai une page qui est classée numéro 1 et tiens, je vais vous montrer en 2 secondes. Et je ne m'y attendais pas du tout.
Alors, il y a une requête que les internautes tapent souvent, tiens, là je reviens sur Google, qui est « Quelle partie du corps ne grandit pas ?» Et moi j'ai une page qui ne parle pas spécialement de ça, hein. Mais c'est très étonnant. Et quand je tape ça, j'ai une page qui est très surprenante sur le corps humain, j'arrive numéro 1, et regardez, si on va dans cette page, vous allez voir que ce n'est même pas quelque chose dont je parle tout de suite. Fait étonnant sur le corps humain. Et il y a un moment où je dis que la partie du corps qui ne grandit pas, où est-ce que c'est ? Alors, où est-ce que c'est qu'il y a ça ? Alors, là, oui. Vous voyez, il y a une phrase qui s'appelle « La seule partie du corps qui ne change pas de taille durant la croissance est les yeux. » Et ça a suffi pour... Ça prouve l'intelligence de Google, comment Google analyse les pages. Et ça, par exemple, c'était une page qui était un extrait d'une petite encyclopédie qu'on avait sortie chez un éditeur. Donc, vous voyez, la page s'appelle « Faits surprenants sur le corps humain ». Et quand les gens tapent « Quelle partie du corps ne grandit pas ?» Je peux vous dire, parce que j'ai des outils, c'est quelque chose que les gens tapent très, très souvent. Donc, comme ma page arrive, tant mieux, quelque part. Si les gens sont curieux, ils vont peut-être aller sur le menu, ils vont peut-être découvrir qu'il y a autre chose sur mes pages. Donc, j'ai quelqu'un qui arrive chez moi, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à votre question ? Toc, voilà. Donc, Jean, si vous pouvez nous dire si ça répond à la question dans le chat. Et puis, Christian, pour votre question, bah, envoyez-nous un mail et puis on vous répondra avec... Christian, c'est quoi, c'est quoi ? Ça, c'est pas important. Bon, okay. On passera. C'est important pour Christian, mais pas pour les autres. Donc bon, voilà. D'accord. Ok. Oui, je vais répondre. Et puis, on va continuer avec l'audit du site de ce soir. On y va. Donc, je vais partager l'écran. Ok, c'est bon. Oui. On y va. Le site qu'on va regarder ce soir donc s'appelle. Attendez, il faut que je revienne à l'accueil. Il s'appelle, je vais me taper le nom, ovi.fr, c'est ça. Voilà, il s'appelle ovi.fr. Donc, c'est un site qui est consacré à l'eau, à l'eau, d'avoir une belle eau non polluée, et puis comment. Je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu, il y a un principe qui s'appelle l'eau hexagonale, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais qui apparemment a des propriétés purifiantes. Alors, quand vous arrivez sur un site comme ça, vous vous dites probablement « Waouh, quel beau site !»« Qu'est-ce que c'est beau, cette animation !» Ok, c'est beau, mais pour Google, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que cette animation, elle ralentit énormément les choses. Et puis, je ne sais pas si vous regardez là, il y a en bas un truc qui s'appelle « L'eau n'est pas nécessaire, l'eau n'est pas nécessaire à la vie, l'eau est la vie », Antoine de Saint-Exupéry. Regardez, je vais changer de page. Je tape sur, je prends une autre page, l'eau polluée. Et qu'est-ce que je vois ? Ça reste en bas. D'abord, la flotte reste derrière. Quelle que soit la page où je vais, ce bandeau reste en bas, mais... ça me limite l'espace où je peux lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voudrais lire de quoi on parle. Et du coup, la partie d'écran qui reste est entre le menu et puis ce bandeau en bas. Je ne peux pas lire grand-chose. Je ne sais pas si vous trouvez que cette consultation est conviviale, tapez oui. Si vous trouvez qu'elle n'est pas conviviale, tapez non. Et puis tu me diras les résultats, Luc. Donc là, on a quelqu'un qui a voulu se faire plaisir pour faire un très beau site. Mais si je viens consulter une information, j'ai du mal à lire de quoi on parle. Et vous allez voir, il y a autre chose en plus. Donc, parfois, je clique sur un point de menu. Alors là, ce n'est pas le cas. Non. Je clique sur ce menu. Regardez, le truc défile. Il a défilé avant de me donner... Je ne sais pas si vous avez vu, je recommence sur un autre point. Ah non, là, ça ne le fait pas. Tiens, ça le faisait... C'est marrant parce que je l'ai consulté sur un PC ce matin, ça ne faisait pas pareil. Ça descendait jusqu'en bas. Bon, là, on dirait que ça ne le fait pas. Bon,
En tout cas, ce matin, sur un PC, d'accord. Le site des... C'est marrant, parce que je travaille aussi bien sur PC que sur Mac. Ce matin, la page remontait, c'est-à-dire qu'elle descendait comme ça avant que je puisse l'utiliser. Donc apparemment, elle a un comportement différent sur Mac. Mais c'est peut-être que le site a été conçu différemment. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à... J'aimerais bien pouvoir lire, j'aimerais bien pouvoir virer ce qui est en bas, là, et je ne le peux pas. Donc, il me reste peu de surface pour consulter la page. Et puis, cette O qui s'affiche derrière, c'est pas extraordinaire. Donc, pour ceux qui étaient là déjà les autres jours, il y a trois tests que je vais faire, comme à chaque fois. Déjà, je vais voir si ce site s'affiche bien sur un téléphone mobile. Donc, je tape son nom. C'est un des points qui est cher aux yeux de Google de nos jours, c'est que les sites doivent... Maintenant, la majorité des gens consultent les sites sur des mobiles. Donc, parmi les 200 critères qui sont chers aux yeux de Google, il y en a quelques-uns qui sont particulièrement sensibles. Et entre autres, comment un site s'affiche sur mobile. Donc, je regarde ça. Regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez. Le menu, je ne peux pas accéder à ce qu'il y a sur la droite. Je n'ai que trois points du menu. Je ne sais pas si vous rappelez, quand j'ai le menu en normal, il y a tout ça. Et là, quand je suis sur mobile, je vais prendre. Vite alors, qu'est-ce qui me fait mobile? Je vais prendre un autre type de mobile, Samsung Galaxy, par exemple. Regardez. Ce site n'est pas adapté au mobile. Trois étapes, je ne peux pas lire ce qui a marqué là. Donc, c'est vraiment embêtant. C'est un site qui risque d'être pénalisé par Google parce qu'il n'est pas adapté au mobile. Quelqu'un qui irait sur ce site en mobile va le quitter tout de suite. Il dira, ben, OK, je ne peux pas faire grand-chose ici. Et puis, il y a toujours... Voilà, ici, regardez, j'affiche une page. Je ne peux pas lire ce qu'il y a sur la page. Donc, c'est un site qui n'est pas ce qu'on appelle responsive. Un site responsive se reformate. Jusqu'ici, tous les sites qu'on a vus, je crois, à part un ou deux, étaient responsive cette semaine. Sur tablette, peut-être que c'est un peu moins grave. Sur tablette, ça va à peu près, je crois. Oui, sur tablette, le site s'adapte, mais sur mobile, et non, ça ne s'adapte pas. Regardez là, je ne peux pas voir la fin de la page. Donc, c'est un site qui pêche au niveau du design. Donc, à ce niveau-là, on va regarder les temps de réponse. Et comme vous vous en doutez probablement, c'est que avec cette animation qu'il y a de... Vous avez vu, en plus, quand je colle le nom donne un autre nom que le nom du site. C'est un site qui a une redirection vers un autre nom. Il s'appelle xnvi-jna.fr et il redirige vers O2vie. Pourquoi pas, à la limite. Mais donc, à l'analyse, on va voir ce que ça nous donne comme temps de réponse sur téléphone mobile. Pour ceux qui n'étaient pas là les autres soirs, en fait, on doit avoir une note supérieure à 90, et là, regardez, on a une note 23, on est dans le rouge, c'est-à-dire que ce site est mal noté, c'est un peu moins mauvais en temps de réponse sur ordinateur, mais on n'est pas dans le vert, et donc ça veut dire pratiquement aucune chance d'être classé sur la page 1, pratiquement aucune. Que les deux critères qu'on a vus là, en ce sens, ce site n'a pas de possibilité. Bien sûr, tout ça, si la personne suit cette formation ou si on devait regarder son site, on lui ferait corriger toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui n'est pas réparable. Je vais regarder un petit peu si ce site a des liens, s'il a des gens qui pointent vers lui, parce que ça peut peut-être redresser un peu la chose. Et qu'est-ce qu'on voit? Non, il y a un seul lien vers ce site. Donc, son autorité est très, très faible. Vous avez vu, parce que c'est sur 100, ça fait 4. Donc, c'est un exemple de site, en fait, et justement, méfiez-vous si vous allez voir un webmaster. Je sais, parce que le fils de mon épouse est webmaster. Les webmasters adorent les belles technologies. Donc, ils vont vous faire des trucs fabuleux. Et puis... Moi, des fois, je lui montre mes pages, il dit « Ah, ça craint !» C'est bon, c'est un jump. Mais bon, quand je lui montre que je suis numéro un sur plein de requêtes, il est bluffé parce que c'est pas parce qu'un webmaster va faire un site
ultra spectaculaire que ce site sera classé sur Google. Et je parle principalement aux chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, très souvent, disent « Oh là là, mon concurrent, il a un super beau site avec une animation et des choses comme ça. » Donc, ils peuvent avoir envie « Fais-moi un truc comme ça. » Donc, la morale de cette histoire, faites simple. L'internaute vient chercher une information. Là, par exemple, je veux savoir des choses sur l'eau, l'eau polluée. Eh bien, donnez-moi des informations. Que cette fille ne me mette, ou ce garçon ne me mette pas à quelque chose où j'ai du mal à lire, quoi. J'ai du mal à lire. J'ai une partie de l'écran qui est masquée d'un bout à l'autre. Donc, c'est quelque part un bon exemple de, malheureusement, de ce qu'il ne faut pas faire, mais qui, bien sûr, peut être corrigé. Donc, il s'agit du site de Damien, si jamais, Damien, vous êtes là avec nous. Oui, d'ailleurs, manifestez-vous, parce que ça peut être intéressant d'avoir votre retour sur cette analyse. Oui. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vais citer un autre exemple d'une éthique, parce que cette boîte pour laquelle j'ai classé comment former une équipe de vente, là, ça s'appelait Intelligent Business à l'époque. Un jour, je vais sur leur site aux alentours de Noël et avant de pouvoir rentrer sur le site, imaginons que je cherchais une formation, il fallait subir une vidéo de 29 secondes ou 29 ou 30 secondes de vœux de Noël et je ne pouvais pas y échapper. Et à chaque fois, j'y allais, à nouveau la vidéo, j'ai appelé la femme, je dis « mais il faut retirer ça tout de suite ». Je disais « mais non, c'est bien pour nos clients ». Alors, vous aurez peut-être cette chose. Vous pensez peut-être que c'est bien pour les clients, mais en fait, l'internaute vient chercher une information et il la veut très vite. Sur téléphone mobile, le critère de Google, c'est que ça doit s'afficher en 3 secondes. 3 secondes. Avant, c'était 10 secondes. Quand j'ai sorti mon livre, on en était encore aux alentours de 10 secondes. Quand j'ai sorti ce livre-là, je crois qu'on en était encore à 10 secondes. Maintenant, c'est 3 secondes. D'ailleurs, c'est pour ça que la formation qu'on vous propose est mise à jour par rapport aux critères actuels de Google. Donc, les critères qu'une société peut avoir par rapport à la beauté d'un site, les effets spéciaux, etc., moins vous en mettez, mieux vous vous porterez. Si on arrive directement, vous avez vu sur mes pages, c'est très simple. Je fais du texte et des images pas trop lourdes. Je veux arriver en moins de 3 secondes et puis il faut donner très vite à l'internaute ce qu'il est venu chercher. Si l'internaute doit subir une vidéo de 30 secondes, il sera déjà parti. Donc, c'est pas toujours facile à faire passer ce message, mais quand on pense référencement, la logique est très, très différente. Je vais vous donner un autre exemple si vous voulez bien. Moi, imaginons, ça m'est arrivé que j'ai un article très méchant de Libération. Vous allez dire, c'est une lapalissade, un article très méchant de Libération sur un de mes bouquins. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas que j'ai que des articles comme ça. Mais s'ils me mettent le lien vers ma page, Libération doit avoir un page rank, c'est-à-dire un classement sur Google de 9 sur 10, 8 ou 9 sur 10. Donc, ils m'envoient un poids énorme. Donc, je les bénis d'avoir fait un mauvais article sur un de mes bouquins. Continuez. Enfin, vous pouvez faire des bons articles de temps en temps si vous voulez, mais bon, ne réponds pas. Voilà, à toi, Luc. Enfin, les questions plutôt. Oui, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le chat à droite de la vidéo sur ordinateur, sous la vidéo sur téléphone mobile. Il y a René Georges qui demande, est-ce que le référencement est identique pour un e-commerce ? Bien sûr. Enfin, en fait, vous pouvez préciser quel type de e-commerce vous avez ? Ah donc, ouais, René Georges, donnez des précisions sur votre e-commerce. Mais en fait, même si voilà, vous vendez des produits, il faut avoir beaucoup de contenu, de la description au niveau des produits, etc. Et le lien à la fin. Voilà. Et puis moi, pendant qu'on attend le retour de René Georges, j'avais une question. Est-ce que le maillage est important ? Parce que là, on a vu, le site qu'on a vu, il y a pas mal de liens internes, donc j'ai trouvé ça intéressant, mais est-ce que c'est important ou pas pour Google ? Absolument. Ben, Google note, il y a 200 critères. Parmi ces 200 critères, il y a combien de temps les gens passent chez vous. Si, par exemple, vous avez un site, les gens arrivent et ils se barrent tout de suite, c'est très, très mauvais signe. Et moi, si vous avez le temps, je vais vous montrer quelques astuces que j'ai trouvées.
J'utilise quelques astuces assez marrantes pour faire que les gens restent le plus longtemps possible. Alors, où est-ce que j'ai... Tiens, j'ai une page sur le Bitcoin. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas classée. Hein. Elle est... Ça, c'est intéressant par rapport à la remarque de Julie tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu cette semaine. Donc, voilà. Je vais aller directement dans ma page parce que je suis en train de la référencer, donc elle n'est pas encore classée. Je vais vous montrer quelques exemples de techniques que j'utilise pour faire que les gens restent longtemps sur une page. C'est vraiment des techniques toutes bêtes, vous allez voir ça. Donc voilà, c'est une page sur le Bitcoin. Alors, j'ai terminé cette page hier. Regardez ce que je fais, par exemple, des petites vidéos, mais vous allez voir surtout un truc très, très marrant à un moment. Et ça, je le mets plusieurs fois dans la page. Quand les gens voient cette bille descendre... T'as pas partagé. Ah, oh, pardon. Oh, zut. Désolé. Ah oui, c'est très drôle, ça. Ah oui, d'accord. Je share, je partage. Attendez, je partage la page. Excusez-moi. Donc, voilà, je partage. Où est-ce qu'elle est, la page? Je la balance dans le live. Regardez ce que je fais. Voilà. Par exemple, cette vidéo, vous n'allez pas croire, les gens qui voient ça, c'est excellent. Ils s'arrêtent pendant une minute à regarder la bille pour savoir jusqu'où elle va aller. Elle réapparaît et ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à faire que les gens restent sur la page. J'en ai plusieurs des comme ça que j'ai trouvé. Et c'est incroyable, mais ce n'est pas de la blague. Donc, c'est l'idée. Google va se dire, tiens, les gens restent longtemps. Et c'est vrai qu'on a envie de voir où est-ce qu'elle va aller la bille. Ouais, complètement. Ouais. Et vous allez voir, j'exagère un peu. D'abord, vous avez vu, par exemple, ça, c'est une page sur le Bitcoin, c'est un bon exemple. Je tartine. Et est-ce que tu justifies l'image ou pas dans ton texte? Justifie. Là, je l'ai remis un peu plus bas, vous voyez. Qu'est-ce que tu veux dire par justifier? Bah, parce que, de prime abord, on se demande le rapport entre l'animation et le Bitcoin. Est-ce qu'il y en a aucune... pour illustrer quelque chose? C'est ça que je veux dire. C'est juste comme si je mettais un signe pour dire, regardez, là, ce que je veux... D'accord, ok. Donc... Et c'est une animation. Pas besoin de justifier, je veux dire, Google ne va pas dire « Ah, mais vous avez une image de tricheur. » Absolument pas. D'accord. Et je l'ai mis, je crois, une troisième fois. Vous avez vu la quantité de texte que je mets? Bon, vous allez dire c'est plus facile parce que j'écris des livres. Mais malgré tout, c'est pour vous dire un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est que d'ici quelques semaines, Google se dise « C'est la meilleure page qui existe sur le Bitcoin. » Si on se revoit dans quelques semaines, je vous dirai si j'y suis arrivé. Ah non, je ne l'ai pas. Il me semblait que je l'avais mis trois fois dans la page. Alors, je ne sais pas. Je l'ai mis plusieurs fois, ce sigle. Puis de temps en temps, des petites animations comme ça. Ça a l'air de rien, mais ça accroche l'attention. On se dit qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Des petites animations, mais alors, coder, ça, on verra ça. Coder de façon à ce que ce soit très léger pour Google. Donc voilà, je l'ai mis deux fois. Alors apparemment, voilà. Il me semblait que je l'avais mis trois fois. Tout ce qui peut faire que l'attention est accrochée. Bon, moi, je l'ai mis deux fois. Deux fois, ouais, mais il y a deux animations. Donc. Quoi donc? Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu l'idée. Google va regarder combien de temps les gens restent chez vous. J'en avais trouvé une autre animation qui était vraiment très sympa. Je vous la montrerai tout à l'heure si vous voulez. Ça, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des GIFs animés. En revanche, vous ne pouvez pas les utiliser tels quels parce que les GIFs animés ont tendance à pénaliser les temps de réponse. Donc, il faut utiliser un nouveau standard qui s'appelle WebM. Vous avez des sites qui convertissent le GIF animé en WebM et le WebM est beaucoup plus efficace. Tout ça, si ça peut vous paraître du chinois, votre webmaster saura de quoi je parle. Mais en tout cas, j'ai mis sur cette page sur le Bitcoin des WebM qui sont... C'est une animation qui ne pénalise pas le temps de chargement de la page. Si vous voulez, je peux vous montrer. Vous voulez voir quel est le score Google de cette page? Ça vous intéresse? Allez, je vous montre vite fait. Donc, cette page qui s'appelle sur le Bitcoin. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, elle a été achevée, mais vraiment ce matin. Donc, Speed Insight pour voir les temps de réponse. Et vous allez voir comment j'ai fait en sorte que
elle ait le maximum de chances de plaire à Google. C'est un peu long hein, pour l'analyser. Désolé pour cette attente. C'est Google analyse. Ah voilà. Vous voyez, il a une note 93 sur mobile. Donc, déjà, il a toutes ses chances d'être classé dans les premiers. Et puis aussi, en ordinateur, alors là, j'arrive presque à 100. Ça, mais j'ai aussi d'autres critères que j'ai pris en compte. Bien sûr, le temps de réponse, c'est un des critères principaux. Mais j'ai vraiment travaillé la page pour qu'elle plaise à Google. Et Google me donne cette note. C'est une façon de dire qu'il y a des fortes chances que dans les semaines qui viennent, quand on tapera Bitcoin, cette page apparaîtra. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a du contenu intéressant pour l'internaute. Normalement, il va passer beaucoup de temps dessus. J'ai fait en sorte avec mes petites animations. Et il s'affiche très bien sur les mobiles. Je peux vous le montrer aussi si vous voulez. Et puis, il y a 200 critères. Donc, j'ai fait en sorte de remplir un maximum des critères qui plaisent à Google. Alors, question de Hakim. Mais. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Hakim, elle est un peu hors sujet en fait. Êtes-vous pro pour parler aussi longtemps du Bitcoin? Mais alors, déjà, Daniel, il est journaliste high-tech, donc quand il étudie un sujet, il est obligé de l'étudier à fond, ça c'est la première chose. Et en fait, ce que Google demande, c'est pas qu'on soit un pro sur le sujet, c'est qu'on puisse en dire beaucoup. Et s'il y a beaucoup de contenu et que derrière, vous vendez une formation sur le Bitcoin, même si c'est pas vous. Par exemple, l'affiliation. Vous pouvez vendre une formation qui a été créée par quelqu'un d'autre et toucher des commissions. Donc, vous n'êtes pas forcément un professionnel, mais si vous avez créé une page avec beaucoup de contenu sur le sujet qui plaît à Google, qui va intéresser les personnes qui viennent dessus et qui permettra de vendre la formation, même si ce n'est pas vous le pro, bah vous, votre métier, ça n'a pas été d'être un professionnel du Bitcoin, ça a été de vendre une formation créée par un pro sur le Bitcoin pour pouvoir toucher votre commission. Donc, voilà, il faut bien entendre un peu toutes les subtilités du net. Oui, oui. Et si First m'a commandé, moi, avec un co-auteur, un livre sur le Bitcoin, c'est parce qu'ils savent qu'on est des spécialistes de ces domaines high-tech. En fait, je suis journaliste depuis 86, donc je suis spécialiste d'un grand nombre de domaines liés au high-tech, que ce soit des jeux vidéo, des crypto-monnaies, des choses comme ça, des robots, enfin, je veux dire, du référencement par la force des choses. Enfin, j'en ai sorti quatre. J'ai aussi sorti YouTuber pour les nuls, pour vous dire. Donc, oui, je pense. Bon, je suis peut-être pas le plus grand pro sur le Bitcoin, mais pas plus tard que lundi, je suis passé dans une radio. Tiens, lundi, on a dû retarder parce que j'ai parlé du Bitcoin et j'avais en face de moi un grand économiste. On a parlé pendant une heure du Bitcoin. Voilà, donc ça. Ah, tu t'entends plus. Voilà, j'avais plus de micro, excusez-moi. Donc ça répond à la question, mais même si Daniel n'avait pas été pro sur la question, ce qui n'est pas le cas, mais ce n'était pas forcément un problème pour autant. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, bah oui, effectivement, Hakim, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez la possibilité de vendre des produits sur lesquels vous n'êtes pas forcément professionnel. Si ce n'est pas vos produits, vous pouvez travailler pour un professionnel en tant qu'affilié ou partenaire ou intermédiaire. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui développent du business avec l'affiliation et donc ils vendent des produits sur lesquels ils ne sont pas professionnels. Pour autant, ils peuvent avoir de l'information à partager dessus et ça plaira à Google et ça plaira aux gens qui viennent sur le site et ça les mettra en confiance pour acheter. Je reviens sur la question c'était René Georges sur le e-commerce. J'ai pas compris la réponse, genre, je suis désolé. Sa réponse, c'est CBD. Je sais pas si toi, ça te parle, Daniel. CBD, c'est le cannabidiol, c'est ça? CBD, c'est une forme de... Si, si, je crois savoir ce qu'il veut dire. Attends, je regarde. C'est CBD, par rapport au e-commerce, mais... C'est une forme de cannabis, oui, légal, qui est pour... Ah oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Je ne connais pas du tout ce domaine. J'imagine
Je ne sais pas si c'est bien ou pas, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'imagine que si c'est légal, c'est que ça doit être la forme thérapeutique peut-être de cette plante. Donc, si vous faites un site sur ce domaine, pourquoi pas ? Oui, ouais, mais du coup, c'est d'autant plus intéressant d'avoir du contenu dessus parce que je pense que pour le moment, on ne connaît pas bien. La preuve, CBD, ça ne m'a pas fait réagir alors que j'avais vu des infos un petit peu là-dessus il y a un mois. Je suis tombé sur un site là-dessus. Donc là, c'est une belle occasion de faire du contenu parce que c'est pas encore démocratisé et vous avez sûrement des choses à dire sur la question. Donc, oui, parce que je sais que le fils de ma femme, justement, celui qui est webmaster, lui, il est totalement opposé au il s'occupe d'une association contre la drogue. Donc pour lui, ce n'est pas bien. Mais bon, peut-être vous aurez d'autres arguments. Je ne sais pas. Après, ce n'est pas le débat de ce soir. Alors, Julie, la question, je pense qu'elle est intéressante. Alors, c'est un site e-commerce avec beaucoup de textes ne lasse-t-il pas l'internaute et client potentiel ? Je ne suis pas un professionnel du e-commerce. Moi, je ne vends pas de produits physiques. Mais d'avoir discuté avec différentes personnes dans le e-commerce, celles qui vendent le plus un même produit qu'un concurrent, c'est celles qui ont une description plus complète de leur produit. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Et puis, vous pouvez avoir, comment dire, une lecture à plusieurs niveaux. Vous pouvez avoir une lecture simple, une introduction simple. Et puis, bon, pour des liens d'achat, pour les gens qui veulent en savoir plus, vous rentrez un peu plus dans le détail. Pour les techniciens, vous rentrez encore plus dans le détail. Mais moi, j'ai découvert vraiment de façon expérimentale que Google aime les grosses pages. Par exemple, ma page sur Imagine que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a longtemps été classée numéro 1 d'ailleurs, j'arrivais pas à la mettre en page 1 de Google pendant des mois et des mois. Et un jour, j'ai découvert, il y avait un internaute, j'en parle dans la formation, qui disait, un spécialiste du SEO, qui disait que Google aime bien les longues pages, vraiment, il aime bien les pages très complètes. Donc, j'ai doublé la taille de cette page sur Imagine et je suis arrivé numéro 1. Ça peut paraître étonnant. J'ai rajouté énormément d'informations complémentaires, genre le nombre de disques vendus, la date d'enregistrement, qui est-ce qui l'a repris, des petites fiches, des choses comme ça, qui fait que, à mon avis, Google arrive, il se dit, tiens, quelqu'un cherche à savoir quelque chose sur Imagine. Visiblement, cette page, elle est complète. Rien ne vous empêche, je ne vous dis pas de dupliquer du contenu, mais rien ne vous empêche, vous allez prendre les chiffres de vente sur un site, vous allez prendre qui est-ce qui l'a repris sur un autre site, vous allez prendre des données ici ou là, vous pouvez, dans certains livres, prendre des informations en citant les sources, etc. Oui. À une époque où j'avais travaillé un peu sur du référencement, mais c'était il y a longtemps, moi j'avais un problème, moi je suis ni écrivain ni journaliste, et moi j'ai un gros problème personnel, c'est le contenu. Et puis même dans la vie, moi on me demande de décrire un truc, je le décris en 3 mots, il y en a qui le décrivent en 3 pages, moi c'est en 3 mots, donc j'avais un problème avec ça. Et du coup j'étais sur une thématique spécifique, et ce que j'ai fait, c'est que j'achetais des magazines, je prenais les articles qui étaient en lien avec la thématique que je traitais, et je faisais des résumés des articles, et ça me faisait du contenu. Et j'ai même fait plus vicieux, il y a des fois, je scannais les articles, et avec la conversion OCR, là, je convertissais ça en Word, puis après, je retravaillais un peu le texte. Oui, pour travailler le texte. De la duplication. Oui. Et ça me permettait de mettre du contenu en ligne. Donc, ça peut être une solution si vous n'avez pas l'esprit créatif. Et puis, vous avez des sites comme 5euros.com. Il y a beaucoup de sites où vous allez trouver des copywriters, des gens qui peuvent vous écrire du texte. Vous avez sans doute dans votre famille ou dans vos connaissances quelqu'un qui sait bien écrire. Si vous avez une boîte, en général, il y a toujours quelqu'un qui sait bien écrire dedans. On trouve toujours quelqu'un qui peut vous pondre beaucoup, beaucoup de textes. Alors, la question de Maurice est intéressante. On pourrait la généraliser. Donc, sa question, c'est concernant la location de vacances. Ce n'est pas facile vu le nombre de loueurs qui ont des sites pour référencer en première page. Alors, tout dépend parce que peut-être que quelqu'un va chercher des vacances, par exemple des vacances proches de la nature ou déjà si je veux des vacances dans un endroit, des vacances pas chères. Tout dépend si c'est des vacances avec un thème. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un type, par exemple, qui propose… On voit comment ils plantent ces tomates de façon écologique. Je pense que vous pouvez faire de la location de vacances avec des lieux et puis des thèmes et puis expliquer pourquoi c'est bien chez vous, des témoignages de gens.
vous pouvez mettre beaucoup de contenu de gens qui ont été très contents et qui vous autorisent à mettre des témoignages. Je pense que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre... Regardez, moi, Madonna, j'aurais pu être découragé sur des mots-clés comme Elvis Presley ou Beatles, et on y arrive. Vous allez toujours trouver dans la longue traîne, c'est-à-dire les requêtes un peu longues, quelque chose qui va intéresser les internautes sur lequel vous pouvez vous classer. Alors, j'ai pas le prénom, mais j'ai une question. Hein, combien de mots minimum pour une page pour Google? Alors, les avis sont partagés. Moi, je dirais plus vous en mettez. C'est vraiment étrange parce que moi, je me demande si beaucoup de gens lisent tout ce que j'écris. Mais bon, il y a peut-être des gens qui le lisent. Mais ça, Google aime bien. Si vous pouvez avoir des milliers de mots, c'est bien. Ouais, donc, le plus possible, en fait, c'est un peu ça. Oui, oui. C'est voilà. Bien de voir. C'est-à-dire que vous avez un thème, je ne sais pas. Imaginons que vous êtes historien et que vous allez faire une page sur, prenons un personnage de l'histoire, Jeanne d'Arc. Eh bien, vous pouvez raconter son histoire, vous pouvez mettre les grandes dates de sa vie, vous pouvez mettre les choses qu'elle a dit, vous pouvez mettre les grandes batailles, vous pouvez diviser en rubriques et arriver à raconter beaucoup de choses. Les points sur lesquels les historiens ne sont pas d'accord. Ça demande un peu un travail de recherche, un petit peu ce que disait Luc quand il achetait des magazines et puis qu'il faisait des résumés des articles, c'est une très bonne technique. Mais essayez d'avoir une page la plus exhaustive possible sur le thème dont vous parlez. Comme ça, que Google puisse se dire, tiens, quelqu'un qui est intéressé par Jeanne d'Arc va vraiment trouver beaucoup d'informations sur cette héroïne. Voilà, dirions-nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, il est 27, donc on peut déborder jusqu'à 30-35 si vous le souhaitez. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il y avait une petite remarque de Christian, ce n'est pas une question, mais voilà, il disait qu'il y a beaucoup de sites e-commerce qui adoptent le format dont tu parlais, le WEBM, justement. Oui, tout à fait. Bien vu. Très bien. Oui, c'est ce format. Donc, pour avoir des animations, comme l'animation que j'ai montré tout à l'heure, la bille qui tournait, c'est un bon format pour mettre des animations sans que ça pèse sur le déroulement. Si vous y connaissez pas, demandez, vous avez peut-être un webmaster, vous demandez à ce webmaster de vous en occuper. Vous voulez que je vous montre un autre exemple d'animation d'ailleurs? Je crois que j'en ai une autre qui est assez intéressante. Enfin bon, comme si ça vous intéresse, je peux vous en montrer d'autres. Ouais, on a vu de nouvelles choses aujourd'hui qui étaient assez intéressantes. On a parlé déjà qu'il faut être simple. C'est vrai que les animations, c'est joli, mais ça alourdit les pages. Ou sinon, il faut le faire d'une certaine manière, comme on l'a vu là, avec le format WEBM. On a parlé de maillage interne, ce dont on n'avait pas parlé les autres soirs. Et puis, donc, Daniel vous a montré cette astuce pour que les gens restent plus longtemps, puisque... ça, c'est une nouvelle info de ce soir qu'on vous livre, c'est que le temps que passent les internautes sur votre page est noté par Google et du coup, bah, ça peut avoir un impact positif sur votre référencement. Donc, voilà. Donc, vous avez encore la place pour une ou deux questions et puis deux, trois annonces. Donc, demain soir, c'est repos. En tout cas pour nous, pour vous, je sais pas, mais pour nous ça va être bon. Et puis, enfin repos en termes de live parce qu'on a pas mal de préparation à faire pour dimanche soir, même horaire 18h30. Dimanche soir, ça va être une soirée un peu spéciale parce que déjà on passera peut-être un peu moins de temps sur l'introduction et on va vous donner trois occasions d'être audité. Donc, on va auditer trois sites dimanche soir. Et puis, on vous avait promis lors de votre inscription un tirage au sort pour un travail de référencement sur un des sites. Donc, on va faire ce tirage au sort. C'est dimanche soir, tous ensemble en live. Et donc, l'une ou l'un de vous aura son site qui sera référencé par Daniel. Donc voilà, ça c'est grosse valeur cadeau parce que c'est une prestation qui coûte cher. Donc voilà, ça va être très intéressant d'être
là, dimanche soir, et il faudra être présent puisqu'on demandera à la personne de se manifester pendant le live. Et si elle n'est pas là, on remettra la roue en route pour tirer au sort une personne qui est présente. Donc, très important d'être là dimanche soir. Et puis, on ouvrira aussi les portes à la formation. Et à cette occasion, on va vous faire une offre très particulière et unique qui n'aura lieu que dimanche. Donc, voilà, c'est toutes ces raisons-là pour lesquelles vous devez absolument être avec nous dimanche soir à 18h30. Et on aura fini pour le fil du dimanche soir à 21h pour ceux qui veulent surtout pas rater ça. Et puis il y a juste c'est à 20h dimanche soir, c'est ça, c'est plus tard la conférence, non 18h30 pareil, 18h30, mais on sera jusqu'à 20h, 21h quoi. Non, c'est juste que je disais aux personnes qu'elles seront disponibles à 21h si elles veulent regarder le film du soir, parce qu'on commence à 18h30. Mais oui. On sera. Alors je comprends pas, Georges, on a pas mal parlé de référencement par rapport au e-commerce. On a dit que c'était tout aussi important. Il faudrait regarder le replay parce qu'on en a. Il me semble qu'on en a parlé. Il y a une question de Georges, c'est quoi? Tu sais, René Georges, il nous avait demandé pour le référencement e-commerce et qu'il était sur la thématique du CBD. Oui. Donc, il me semble qu'on avait répondu à la question. Mais... Oui, peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi le cannabignol est bien, enfin, je sais pas, est inoffensif. Parce que c'est vrai, quand on entend cannabis, on a un peu peur, enfin, les parents. mais peut-être que justement. On a un peu peur de se le faire piquer par les enfants. Allons, bon. Donc, peut-être que vous pouvez nous expliquer les bienfaits du cannabidiol, quoi. Justement, c'est ça. Les gens vont. Ça doit intéresser énormément de gens. Et puis, il y a Julie qui voudrait que tu redonnes les noms ou les liens des outils qui permettent de contrôler la rapidité, l'accès au mobile, etc. Que tu avais donné la semaine. Le principal, c'est PageSpeed. Tiens, tu peux le marquer dans les commentaires. Ou je sais pas si, moi, je crois que je n'ai pas accès aux commentaires. Oui, je peux le marquer ici. Voilà. Hop. PageSpeed Insight pour avoir le calcul de vitesse d'une page. Insight. D'accord. Et pour les mobiles? Pour le responsive, moi, en général, je tape test responsive sur Google et il me propose plein d'outils. Donc, vous prenez un site et vous voyez comment il s'affiche sur diverses plateformes. Hop. Voilà, donc les deux noms à chercher, PageSpeed Insight et test responsive sur Google. C'est déjà deux critères très importants en 2021 aux yeux de Google. Ce sont des critères très importants. Que le mobile est devenu maintenant c'est depuis le mobile que les gens consultent la majorité des sites web. Donc, il faut avoir des très bons temps de réponse sur mobile. Google a trouvé dans ses recherches que les gens avaient une temps de patience de 3 secondes maximum. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et puis, dernière chose avant qu'on finisse, donc je vais vous le mettre dans le chat et puis je vais aussi vous l'afficher. Voilà, c'est bon. Et puis, je vais vous l'afficher aussi en bas de la vidéo. Daniel vous a préparé une checklist. Donc, pour celles et ceux qui sont là ce soir, qui n'étaient pas là les soirs précédents, ce sont 12 points capitaux à vérifier pour bien référencer votre site. Donc, le seul truc qu'on vous demande en contrepartie, c'est, je vais cacher ça, voilà. C'est juste de faire un partage sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez un bouton de partage, vous cliquez dessus. Et puis après, vous avez un gros bouton orange pour télécharger la checklist. Voilà. Si jamais vous avez un souci avec, je le dis parce qu'hier, il y a eu des soucis. Promis, c'est pas un lien bidon comme on a pu nous le reprocher. C'est juste qu'il y a eu un souci, je ne sais pas pourquoi. Bon. Vous nous envoyez un petit mail, on vous envoie ça, il n'y a aucun souci là-dessus en tout cas. Voilà. Et puis, moi en tout cas personnellement, je vais aller manger. Et puis on va se retrouver dimanche soir, 18h30, donc beaucoup de choses dimanche soir. Hein. 3 sites audités parmi ceux que vous avez proposés,
le tirage au sort pour avoir quelqu'un qui fasse référencer son site, l'ouverture de la formation Google Domination avec une offre réservée aux personnes qui seront là dimanche soir. Donc, on vous attend avec impatience et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée. Daniel, c'est le mot de la fin. Oui, bonne soirée. Merci d'être venu et j'espère que vous pourrez bénéficier des bienfaits du référencement parce que c'est comme si vous aviez une publicité gratuite permanente, mais permanente. C'est tout le temps là. Voilà. Eh bien, c'est parti. Allez bosser le référencement de votre site et à dimanche.